Dans le cadre des Tribunes de la Presse, l'événement qui chaque année à Bordeaux permet de prendre du recul par rapport à l'actualité, événement qui se passe cette année en ligne, entièrement, dans une version virtuelle. Donc nous avons quand même la chance d'avoir des invités qui ont fait le déplacement. Étienne Klein, vous êtes philosophe des sciences. Et vous nous parlez aujourd'hui de la thématique de la manière dont nous voyons, nous acceptons les sciences en ce moment dans un contexte d'épidémie. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont la population réagit actuellement? On sait qu'historiquement, on avait un goût des sciences, une curiosité dans les siècles passés. Est-ce que ce n'est plus le cas aujourd'hui? Disons qu'il y a une tendance qui se manifestait déjà avant l'épidémie et qui s'est rendue plus visible pendant l'épidémie, notamment dans certains médias, les chaînes d'information continue, où on a confondu, volontairement ou pas, je l'ignore, la science et la recherche. La science et la recherche sont deux choses complètement différentes. La science est un corpus de connaissances bien établi, dont on n'a pas lieu de douter, sauf indication contraire venant d'une observation ou d'un résultat d'expérience qui serait très surprenant. Il y a des choses qu'on sait. On sait que la Terre est ronde, on sait que l'atome existe, on sait que l'univers observable est en expansion, on sait que les espèces vivantes évoluent. Ça, c'est la science, qui ne dit pas le vrai, mais qui a quand même un rapport avec la vérité. Et puis, ce corpus de connaissances qui constitue la science, il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Par exemple, est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Donc on cherche. Donc la recherche, elle a à voir avec le doute. Mais quand on confond la science et la recherche, on a l'impression qu'on doute. L'idée de doute qui est associée à la recherche colonise la science elle-même. Et on dit la science et le doute. Mais si la science et le doute, alors moi avec mon ressenti, mes croyances, mes opinions, mes préjugés, je peux contester ce que disent les scientifiques. Et c'est d'autant plus facile quand les scientifiques sur les plateaux de télévision s'engueulent entre eux. Et je pense que cette confusion va laisser des traces en effet et qu'il faut réfléchir à une autre façon de diffuser les idées de la science sans qu'elles soient systématiquement remises en cause et qu'on leur demande de se mettre sous la coupe du sens commun. Alors concrètement, aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut sortir de ce doute permanent autour de ce qu'on nous raconte autour de l'épidémie? Eh bien, je pense que... Alors, c'est un travail de longue haleine, hein, mais je pense que nous avons tous beaucoup de connaissances scientifiques. Dans celles que j'ai énumérées tout à l'heure, elles sont connues de tout le monde. La Terre est ronde, l'atome existe, tout le monde sait ça. Mais nous ne savons pas dire comment on l'a su. Par exemple, je sais que la Terre est ronde, mais comment est-ce que dans l'histoire des idées, on a su que la Terre était ronde? C'était qui? C'était quand? Avec quels arguments? Comment est-ce qu'on l'a vraiment su? On n'est pas capable de le dire. Du coup, nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances, que nous recevons souvent avec des arguments d'autorité. Et dès lors que nous ne savons pas dire comment, dans l'histoire des idées, elles se sont imposées comme connaissances, le statut qu'elles ont dans notre appareil cognitif est très fragile. Et donc, je pense qu'il faut davantage expliquer comment nous avons su ce que nous savons. Donc, sur le long terme, renforcer quelque part une éducation, renforcer peut-être plus à court terme la manière dont les médias couvrent des faits scientifiques, c'est ça l'idée. Mais est-ce que la peur finalement n'a pas été ce qui a fait tout basculer? Parce que quand on parle de science à tête reposée, peut-être que c'est plus facile d'aller chercher des connaissances historiques si d'un seul coup on a peur pour sa vie, puisque finalement c'était ça qui était au cœur de la communication pendant tout le début de l'épidémie et encore maintenant. Est-ce que c'est pas ça qui secoue ces connaissances-là? Bon, j'ai pas étudié le phénomène, mais sans doute que la peur a joué, en effet, puisque au début, les gens, je parle des chercheurs, découvrent un virus, ils savent certaines choses sur les virus, mais ils ne savent pas tout de ce virus-là. Donc il y a toutes sortes de questions qui se posent auxquelles ils ne savent pas répondre. Mais ils sont soumis de la part du public, qui a peur en effet, à une pression terrible qui va les obliger parfois à parler au-delà de ce qu'ils savent vraiment. Et ils vont devoir ensuite faire marche arrière, démentir des propos qu'ils ont tenus, ce qui va donner l'impression qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et puis quand un chercheur est honnête et dit « voilà ce qu'on sait, mais voilà aussi ce qu'on ne sait pas », il va donc répondre parfois à une question qu'on lui pose par « je ne sais pas ». Mais s'il dit trop souvent « je ne sais pas », on ne va pas le réinviter. On va préférer choisir des personnes
qui font semblant de savoir des choses qu'en fait personne ne sait vraiment. Et donc on va organiser comme ça, sans forcément le vouloir, une forme de confusion qui est également renforcée par le fait que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances scientifiques, des croyances, des commentaires, des opinions, des fake news. Et toutes ces choses qui ont des statuts très différents se contaminent. Quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ça n'est pas en fait la croyance d'une communauté particulière. Comment on sort de ça ? Je pense qu'on va mettre du temps à savoir gérer notamment les réseaux sociaux qui ont tendance à nous installer dans des silos cognitifs au sein desquels on va toujours avoir une confirmation de ce qu'on pense déjà. Est-ce qu'il faut que les scientifiques soient plus présents sur les réseaux sociaux ou moins présents sur les réseaux sociaux, par exemple ? Moi, je pense que les scientifiques doivent en effet s'organiser parce que la science, ce n'est pas une affaire de personnalité qui s'exprime. La science, elle permet de savoir certaines choses et normalement, sur les questions qui sont résolues, tous les scientifiques devraient dire la même chose. Or, pendant la pandémie, on a assisté à une sorte de personnalisation du débat. Il y avait Monsieur Machin, professeur de trucs, qui s'exprimait sur Twitter, Monsieur Bidule qui disait le contraire. Non, la science, c'est pas. Il faut pas. Je dis pas qu'il faut faire confiance aux scientifiques, parce que de toute façon, ils sont pas d'accord entre eux. Non, il faut faire confiance à la science, et pas à tel ou tel scientifique particulier. Et je pense que ça demande entre les médias et les scientifiques une forme de collaboration qui soit un peu plus travaillée qu'elle ne l'a été pendant la crise. Merci en tout cas de nous avoir éclairé là-dessus et on suivra donc l'évolution de la science sur des sciences, il y en a plusieurs. Des sciences sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous et à très vite pour la suite de ces interviews dans le cadre des Tribunes de la Presse.